Maria. Ouais, allez-y. On est dans la salle de contrôle. Steve va tout remettre en route. Tu viens jeter un œil? Je préfère manger avec Ellie. C'était mon tour de toute façon. J'y vais. Je viens avec toi. Va avec Maria et mange quelque chose. Joël? Allez, Ellie. Laissons les gars travailler. Bon, je vous envoie Tommy. Bougez pas. Allez. Ce sera la sixième fois qu'ils essaient de relancer les turbines. Ça fait qu'une semaine qu'on est là, mais ça semble long. J'ai quelque chose pour toi. L'an dernier, je suis retourné à la maison, au Texas. Le plus gros de nos affaires manquait. Le plus gros. Tiens. Elle est un peu passée, mais elle est encore chouette. C'est bon. T'es sûr? J'ai dit c'est bon. Ok. Je vais la garder pour toi. Tommy... Écoute, il faut que je te parle. En privé. Ouais, ok. Je vais juste aller voir les gars, vite fait. Allez. Je sais pas ce que tu sais, mais va voir la ville. On compte plus de 20 familles maintenant. C'est Maria et son père qui ont créé cet endroit, pour vivre de façon autonome. On a des plantations, du bétail. On pensait que ce mode de vie était mort et enterré. Et pourtant... Et niveau sécurité? Les adultes gardent le périmètre à tour de rôle. On a même une barrière électrique, quand la centrale marche. Et vous avez toujours affaire aux infectés, hein? Comme partout. Faut bien faire avec. C'est peut-être pas obligé.
Tu parles comme Marlène. Salut, toi. C'est Buckley. C'est pas un bon chien de garde. C'est un bon chien. Mais j'aime bien l'avoir ici. Ces deux génies vont nous remettre la centrale sur pied. Je crois que c'est la bonne cette fois. Quoi, tu ne crois pas? J'ai pas dit ça. Je te parie 1 000 000 que ça marche. Ok. Disons 2. On est presque prêts. Ils ont plus qu'à finir d'installer le bouclier. Très bien. Là, ça va le faire. À gauche, faites gaffe. Ok, c'est bon. Voilà, c'est bon. Tommy est là. On peut y aller? Juste une seconde. Ok, c'est bon. Prêt? Vas-y, démarre. C'est parti. Impressionnant. Tu vas devoir me trouver 2 000 000. Tu l'as dit.